Bonjour tout le monde, bienvenue sur Palmi Sakma pour la Kay. Et un plaisir pour nous gagner. Nous allons parler de prédiction de Bill Gates et par rapport avec Sally Relay et deuxième pandémie. D'abord, il faut dire que Bill Gates, je ne connais pas, c'est un métier et milliardaire. Donc, lui, c'est en fait présentement, il y a un test là qui fait pour aller devant là. Il était deuxième monde qui peut riche dans le monde là. Mais il faut annoncer que vous gagnez Elon Musk, CEO Tesla. Qui fait point de vente puisque business Tesla a avancé ces derniers jours. Bon, on a dit. Bon, et ça nous connaît. Nous connaît que pandémie coronavirus, ça que nous le COVID-19, non, dans mon moment, parle avec nous là, il y a des vaccins qui déjà développés, tant que Pfizer et Pfizer Biotech, il y a tant approuvé dans le FDA, donc dans deux semaines là, normalement, il est supposé dans la rue, ou il y a Moderna tout. Et pourtant, eh bien, milliardaire Bill Gates dit nous que, eh bien, yon lot pandémie, c'est inévitable. Tandis bien ça le dire, il dit yon lot pandémie, c'est inévitable. D'abord, nous dit que ou pas qu'à prendre parole Bill Gates à la légère. Et parce que Bill Gates, en 2018, nous avons une prise de parole, il a baillé dans TED, je continue de suivre la série sa TED. Il t'a expliqué effectivement et puis gros menace monde là, c'est pas tellement guerre armes chimiques. Il t'a dit que il a une capacité destructrice qui est capable de tuer monde. Il t'a parlé de ça et je dis à en regarder bilan pour évaluer monde et coronavirus ça tuer par rapport avec guerre qui était fait pour que le dépasser. Il dit c'est une plus gros menace et il t'a expliqué qui genre que peut comparer. C'est dans 2018 il t'a fait discours là effectivement. Les États-Unis pas préparé du tout et son véritable catastrophe. Donc, je ne veux dire à monsieur à travers en fait, Bill Gates qui t'a parlé dans un podcast et podcast c'est Bill Gates et Rachida et gros question ça a été venu et il était m'a dépensé ça le penser de Sandarelle de next mais futur global pandémie. Donc conversation que il t'a gagné avec était qu'il t'a gagné avec Jones qui c'est un écrivain. Monsieur je t'avais expliqué, il dit que lui était déjà averti dans le passé à travers le monde pandémie c'est un bagage qui inévitable que mode la va le fait et donc lui-même lui dit que son bagage qui va passer dans 20 ans mais il dit après il dit nous supposer il dit bien que son bagage qui va passer 20 ans plus tard mais il dit faut nous faire hypothèse que nous capables de gagner une autre pandémie dans 3 ans à partir de aujourd'hui. J'avais dit là, nous en 2020. Donc, monsieur dit, il y a une possibilité que nous capables de gagner une autre pandémie dans 2023. Il dit, gagner en termes de probabilité, il dit, gagner une probabilité raisonnable. Ok, il n'a pas les dit. Il dit, premièrement, il essaie de comprendre l'analyse. Il dit, il faut nous partir avec l'hypothèse que capable de gagner une pandémie dans 3 ans. Mais gagner, à l'hypothèse ça, il dit, il n'a pas tiré en hypothèse, ça ne veut pas dire qu'il va gagner, non, mais il dit, gain une probabilité raisonnable. Là, ça la prend trop dans probabilité raisonnable qu'effectivement que nous ca fait face à un autre coronavirus dans 10 à 15 ans. Est-ce que nous comprenons? Nous comprenons bien ça le dit. Ça pas empêcher que vous nous préparez pour 3 ans, non? Mais elle dit raisonnablement 10 à 15 ans. Donc raisonnablement en 2030 au capable faire face à un autre et à un autre pandémie. Il ne doit pas nécessairement un autre coronavirus, hein. Nous parlons de l'autre pandémie. OK? Donc, et 2030. C'est ça que je dis. Maintenant, ça, monsieur dit. Monsieur expliquait que lui pensait effectivement que présentement, il n'a justement beaucoup, nous mieux préparé. Dans le sens que nous mieux préparé dans le sens que nous sommes vivants pandémie ça. Nous avons des pays qui étaient bah, des réponses dans l'Australie et Corée du Sud. Côté ça, vous réagi rapide et vous réagi rapide. Ça veut dire, rapide, vous fait test, quarantaine. C'est une bagaille qui est contre pandémie. Vous remarquez que tout le monde qui a monté son pandémie, vous divaguez l'autre bagaille. Test, quarantaine. Et vous faites ça de manière systématique. Vous coupez pandémie. Ok? La pandémie vient tout bon vrai. La touye mouna sauvage, c'est le fait vous faire lockdown. Ou lockdown tout côté net pendant temps. 2-3 semaines, ils sont tendus à la paix. Ok, c'est ça lié. Ok, donc c'est ça lié. Donc, j'en ai dit là. Donc,
expérience en fait et la Mexique expérience que nous fait permettre que présentement nous capables de dire que nous au mieux préparés pour une éventuelle et pandémie. Mais maintenant ça pour nous comprendre c'est que pandémie coronavirus ça non seulement libère nos expériences mais tout il y a des bagailles li fait qui pas prêter. Il y a des impacts qu'il y a sur le monde là pas prêter. Et ça qui passe généralement bon, par exemple business complet qu'on va dans les jours à venir voyage business et des monde qui dans business il y a 150% pour diminuer la quantité de voyage que vous pouvez faire peut-être qui ça mais tout simplement nous pas le bon système côté que en fait cap fait qu'on il pas nous pas le gain comment ça fait côté que monio c'est sous Zoom à distance toute réunion tout bail pour le faire même gens tout on va prendre une réduction considérable dans ça n'a les monde qui dans office des offices en pile côté à faire d'ailleurs gain quand les full home on travaille la caillou gain Google qui fait le bon ban l'autre qui fait donc d'une manière ou d'une autre bien que n'a pas parlé de retour à la normale le monde en fait l'humanité pas retourner même genre exactement après coronavirus c'est dire gain des changements qu'a prêté gain des changements qu'a prêté ça veut dire ou pas le moins travail dans office moins travail pour business c'est ça qu'elle est. Ok, donc c'est ça pour nous entendre comme des impacts qui biquent l'autre encore. Ok? Et. Mais fondou que il faudrait que nous respections justement prise position de Bill Gates, puisque pendant que nous ne pouvons pas prévoir ça, lui-même, il était bien attention soutenue à la pandémie. Ok? Il a parlé de Yumbaï Katoué, près de 10 millions de monde dans le next week là, il dit, c'est pas. Et c'était un virus d'infection, c'est ça le tap dit lui-même. C'est pas un missile, c'est pas un microbe. Il parlait d'un virus qui va infecter le monde. Donc, son façon vous dit que nous pas capable prendre parole, monsieur, à la légère. Mais, by the way, faut nous dire que, dans une bonne théorie, dans les conspiracy théories sur Bill Gates, que nous-mêmes, nous pas capable de voir monter, puisque nous pas gagné une base sur eux, le monde dit ça, vous voulez. Peut-être qu'il y a quelqu'un raison, but still. Nous pas prouver bien entendu tout ça que nous pas prouver ok nous même nous toujours considérer comme parole ok c'est ça que nous comprenons so donc Corée du Sud l'Australie nous pensons que c'est un modèle pour toute éventuelle bataille qu'a fait et fond d'accord tout vous j'ai dit et un ensemble de pays notamment les États-Unis ça nous les outils pour tester à les mieux il pas de gain ça même. Ok, so, donc, une autre fois encore, je pense que moun yo pap, y pap, ça ne va pas prendre par surprise comme ça. Il y a mieux équipé pour mener la bataille. Sa. Donc, voilà, guys, nous devons te update ça pour qui permettre qu'on comprenne que ce n'est pas la dernière pandémie que nous avons pour faire face et que nous sommes supposés get ready et for the next one. Mais me rappeler tout, expliquer, on va aller, qu'a fait là, et c'est ça, et c'est sérieux. Nous connaissons actuellement des laboratoires qui ont joué. On a dit qu'il y a cap expérimenté dans ADN de toi virus pour capable étudier si tu as muté. Bah ça on a laboratoire. Bon imagine un accident bah ça tu as tombé. OK, ça que ne pas ta souhaiter. Les hommes tout y a joué tout. Vous comprenez? Yo y a bat quoi tout dans plusieurs laboratoires dans moment là. Donc voilà guys, de beauté update ça pour nous mais concernant et actuel pandémie ça, nous pensons que et il y a un bon virus, un bon et vaccin qui dans l'arrière là. Nous pensons que le vaccin ça va prendre un campo avec causer pandémie ça. Donc, devoter update ça pour nous. Vous êtes connecté avec nous toujours là pour nous informer. Bye bye tout le monde.